Ok les gars, j'espère que vous allez bien. On est toujours sur Deathloop, on continue nos pistes visionnaires. Ce qu'on va faire là aujourd'hui, c'est qu'on va aller voir ce que veulent les Wenji. Wenji a refusé publiquement une invitation à la fête d'Alexis. Je parie que l'histoire ne s'arrête pas là. Avec le code 4352, je peux pénétrer dans la partie privée de son labo. Donc c'est ce qu'on va faire. Et donc c'est parti, on est l'après-midi. Go. On pourra peut-être la tuer d'ailleurs pour récupérer son module et améliorer notre module qu'on a déjà. On y va, c'est parti. N'oubliez pas de liker les amis cette vidéo. Je vous remercie beaucoup à ceux qui le font. Ça me fait très plaisir. Je vous kiffe la famille. Vraiment cool ce jeu. En fait ce jeu, plus tu y joues, plus tu kiffes. C'est assez bizarre. Plus tu prends plaisir à découvrir les pistes et voir un petit peu dans ta tête comment tu vas tous les tuer. Et parfois ils les enfreignent. Le docteur Wenji a lu les règles, puis il les a jetés dans le feu. Une scientifique de génie. Quoi, ils sont pas tous brillants? C'est pour ça qu'ils sont scientifiques. On parlait en même temps? Ah, vous avez vu l'arme que j'ai là? Elle est magnifique. Alors déjà, elle est magnifique, hein. Non pas parce qu'elle est rose, elle est belle hein, parce qu'elle est rose, mais elle est magnifique, elle est très puissante. Et regardez, si j'appuie sur flèche de droite, elle se transforme en mitraillette. Voilà, tout simplement. J'adore cette arme. Alors, laboratoire de Wenji et quartier de Wenji. Donc nous, on va aller d'abord, on va aller au quartier d'abord. Hein. On va faire déjà notre mission principale. Respecte cette interruption, sac à merde. Ah. On va essayer de pas... Ouf. J'étais en train de dire, on va essayer de pas se faire griller. Puis il y a déjà quelqu'un qui est en train de me mater. Ok. Julia n'a pas en chasse. Aïe. Putain, elle a lâché. Là, les breloques, elle. Par contre. Oh, il y a du monde ici en plus. Donc Juliana est là. Super, bonne nouvelle. Alors. Ah. Wow. C'est Juliana qui. Qui vient de me tirer dessus, là, comme ça? Je crois, hein. Je crois, hein. Ah, c'est elle. Elle est morte? Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais je vous avais dit que cette arme faisait mal, hein. C'est la première fois que j'éclate Juliana aussi fort. Ok, les gars, ça fait plaisir pour une fois. Wow, wow, wow. Par contre, on va se calmer, là. On va se calmer, on va se calmer, on va se calmer 2 minutes, hein. Parce que là, la vie, c'est un peu chaud. Attends, on va prendre cette arme-là. Parce que celle-là, elle me fait récupérer de la life. Bon, normalement, quand je tue des gens, enfin, quand je fais des dégâts... Oh, t'as une petite machette, toi, t'es trop mignon. Il est où? Il est où ce con? Il est sérieux là? Pourquoi j'arrive pas à le tuer? Parce que je suis à côté, c'est ça? Bande d'enfoiré. Je savais que vous avez pensé ça. Je sais que vous avez pensé ça. Non, tout ça au fond va. De vous. Ok. Ok, mais c'est pas fini? Vous êtes des ouf. Putain, mais j'ai l'impression qu'ils ont des boucliers maintenant. Hein? Des espèces de petits traits électriques sur eux là. Alors, maintenant qu'on a tué Juliana, ça c'est bien. Par contre, elle est où? Il est où son body? Il est là. On va pouvoir récupérer un module en plus, cadeau. Du résidium aussi. Je l'ai jamais tué aussi rapidement. Alors, je vous avoue que d'habitude en plus je galère à la tuer. Hein. Alors, c'est bon ça. Qu'est-ce que c'est comme module? Carnesis envoyé dans l'arsenal. Allez. Parfait. Par contre, il faudra effectivement en plus qu'on... Les ennemis touchés sont immobilisés dans les airs. D'accord. Trop bien. Ok, alors attends. Par contre, j'ai plus de munitions, c'est la merde. Peut-être en récupérer là-dedans. Wow. Non, on va peut-être pas faire ça. Ah, mais j'ai pas reconnu, mais je suis au niveau des trucs de Egor là, je crois. Ouais, c'est ça.
Oula, il y a une tourelle là. Et du coup, faut désactiver l'antenne. Bah oui, pour déverrouiller l'accès au tunnel. Putain, les relous. Est-ce que je devrais pas faire ça d'abord? Pour être peinard. Par contre, j'ai plus beaucoup de balles. Et ça, c'est relou. Bah vas-y, les tunnels, on les fera plus tard. Ah, ça tombe bien, là, je crois qu'ils donnent des armes. Des balles, ouais. Tac, tac, tac. Voilà. Déjà, on se sent mieux, là. Ça, c'est bon. Oh bah écoutez, si vous faites comme ça, j'allais vous tuer avec des armes, mais finalement, si vous me permettez de... Voilà. Ok, ça c'est fait. Du coup, on arrive au quartier de Wenji, hein, c'est ça? Ouais, Wenji. Continue d'avancer, conserve ta chaleur. Ouf. Allez, désactive-moi ça. Ah oui, il y a plein de Wenji, c'est vrai. Pas faire ça. Je vais devoir toutes les tuer du coup. Mais c'est pas grave. Voilà. Ah merde, je l'ai pas réquisitionné? Oh shit. Je pensais l'avoir fait. C'est bon, elle est à nous. Donc le labo est en bas. Le labo est en bas, elle a vu mes os. Voilà. Donc c'est ici qu'on voulait aller. On récupère de plus en plus de breloques violettes, de mieux en mieux. Ce sera le soir. Wenji va traverser cette porte presque autant qu'elle veut éviter Alexis. D'entre nous. C'est dangereux. D'après nos calculs, toutes les ONG visiteuses retourneront dans leur ligne temporelle et il n'en restera qu'une. On ne doit sortir d'ici sous aucun prétexte. La deuxième loi de variation d'Evans, oui, je l'ai écrite. Nous, ONG, si la technologie derrière cette porte est la clé pour créer une brèche stable, il faudra qu'elle y aille. Et il n'en reste qu'une. Voilà, enfin on avance. Mais comment je vais faire venir cette ONG à Adam? Ce qu'elles veulent les ONG, en savoir plus, ouvrir. En soirée, toutes les ONG ne feront plus qu'une à peu près. Quoi qu'il en soit, c'est le moment parfait pour l'attirer. C'est un bon début, mais je dois encore approfondir le sujet. Ok. Ok, on va continuer à fouiller. Peut-être ça. Bâtiment up-down, précède la présence d'Eon, environ 30 ans, mur en béton d'au moins 50 cm d'épaisseur, verrouillage audio, protège clairement quelque chose. Pas connecté à la centrale du complexe. Opération Horizon. Wenji veut pénétrer dans le bâtiment scellé de l'opération Horizon. Mais comment lui faire parvenir ce foutu message? Alors, faut continuer à chercher. Pas besoin. On doit avoir d'autres infos. N'exagère pas, Cole. Ça, on a déjà vu. Je sens pas ah, il y a des messages. Voilà. Parfait.
Tatatitatata, fais-le, fais-le. Ouais, une meilleure invitation pourrait marcher, mais... C'est quoi ça, deux bites? Et ensuite, si elles se séparent, j'ai pas le temps de partir à la chasse aux Wenji aux quatre coins de Black Reef. Bien, Wenji veut une porte, Alexis veut Wenji, et moi, je veux jouer avec les deux, violemment. Et deux bites veut m'aider, à l'évidence. On mélange tout ça, et bim! Fricassé de massacre! Alexis veut utiliser le robot 2 bits de Charlie pour faire une invitation. Charlie lui a répondu d'aller se faire foutre. Fouille les affaires de Wenji. Rendre visite à 2 bits. Ok. Alors attends, qu'est-ce que ça nous a fait? Wenji veut entrer dans ce bâtiment d'Updam. Je pourrais m'en servir pour la tirer hors de son labo. Le plan se met en place, je continue la recherche. Une fois la nuit tombée, toutes les Wenji seront rentrées chez elles. La dernière à rester sera plongée dans son travail à moins que 2 bits ne l'ait attirée à Updam. Ta-ta-ti-ta-ta-ta. Tu sens cette odeur. Ok, on s'en fout. Miss Blake, il me semblait que nous étions d'accord concernant le complexe d'Horizon à Updam. Y accéder était la priorité aujourd'hui. Egor a hâte d'analyser les résultats de ses expériences. Ouais. Alexis a invité Wenji à sa fête, l'étiquette n'est pas son fort. Ça, on avait déjà lu ça, je crois. Wenji veut pouvoir accéder à tous les bunkers d'Horizon sur Black Reef, mais Juliana veut... Ok. Silence radio, Juliana, la seule, unique, est ici, quelque part. Oh! Allez voir la centrale. Alors, attends. Oh, on a une piste qui s'est rajoutée. Juliana fait tout pour m'empêcher d'atteindre la centrale, signifie qu'il y a quelque chose qu'elle ne veut pas que je vois. Ok, une nouvelle piste qui s'est ajoutée. Il y en a plein. Ok, celle-là, c'est bizarre parce que celle-là, normalement, je l'avais faite. Je crois que c'est un bug. Tac, tac, tac. Alors. Là, il faut faire un truc ou pas ici? Rendre visite à 2 bits. Je crois qu'on a terminé. Ouais, je crois qu'on a terminé pour cette piste-là, les amis. Est-ce qu'on irait pas tuer les autres Wenji, du coup? Pour récupérer leur... Il en reste plus que 3. Là, je me rappelle la première fois que je les avais... Je me rappelle les premières fois que... Il y en a encore plein. Allez, bim. Encore. C'est pas fini. Bon, t'as lâché là les trucs. Hein. Hop. 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 Pas besoin de munitions. Je crois qu'il en reste plus qu'une, non? La dernière. On va se refaire une petite santé. Hop. Enfin, je me rappelle la première fois que j'avais dû me les taper. Elles étaient super fortes. Je sais plus c'est dans quel épisode là que j'avais mis sur la chaîne, mais ça faisait super mal. C'était dur. Ok. Vas-y, on va aller se faire la dernière peut-être. Ah, c'est pas la dernière. Hein. Il en reste encore en bas. Tiens, c'est un truc de fou. Elles sont nombreuses. Attends, je me dis, elles ont peut-être lâché des... Ils ont peut-être lâché des trucs.
Tant que je suis là, je fais un petit tour. Voilà, il y a toujours des petits résidus à récupérer, des trucs comme ça. Hop. C'est toujours bien. Attends, hop. Non, je voulais pas faire ça, je voulais la prendre. Et la foutre dans la tronche des Wendy. Bim. Et voilà. Ça c'est fait. On récupère le résidum. Oh, on va être blindé. 29 000. Oh c'est bon. Faut savoir vos pattes. C'est tout ce qu'elle a lâché. Elle lâche pas énorme. Ah bah si, ça doit être le fossoyeur vos pattes en fait. Ok, ouais c'est vrai qu'au début elle lâche pas des trucs de ouf. Bah je pense qu'on est pas mal les amis. Hop. On a un paquet de résidium. On va pouvoir désactiver la... l'alarme là, enfin les, je sais pas quoi, l'antenne, voilà, pour pouvoir rentrer dans le tunnel et passer à autre chose. Ils ont des putain, ils lâchent tellement de trucs. Après le problème c'est qu'il y en a trop, je sais plus lequel et il faut que j'infuse, tu vois. On va scalper la tourelle. Hein. Que tu files un peu de munitions, toi. Même pas. Genre, je suis à fond. Ah ouais. Vas-y, on va passer à ça là, ça ira plus vite. Aïe, ça fait mal lui, ce con là. C'est bon. Et là, il y a une mine et je meurs. Waouh. On est blindé en résidium. Hein. Ça, j'avais pas vu elle. Connasse. C'est bon, tunnel débloqué. Hop. Putain, là, je sens que je commence à être stuffé là dans le jeu, tu vois quand t'atteins ce moment où tu te dis, ah, tu commences à prendre confiance, tu vois genre ce que je viens de faire là à l'instant, me lancer bras ouverts alors qu'il y avait 5 mecs devant moi, clairement j'aurais pas fait au début du jeu, tu vois, j'étais pas serein, mais là franchement, serein, pas de problème. Alors là je vais là parce que il y a ça m'intéresse. Après des fois t'as des excès de confiance. Hein. Non mais elle est trop forte en mode. En mode mitraillette, elle est ultra forte en plus. Oh, quelle arme. Quelle arme les amis, quelle arme. Elle est incroyable. Je crois que c'est ma best. J'adore. Oh là là, ils m'ont lâché des. J'ai tellement de breloques dans cette partie. Je crois que cette run est incroyable. Tribunal. Oh, je l'avais pas celle-là. En violette. Pas mal.
Alors, est-ce qu'on a des petits trucs sympas? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je peux toujours pas... Comment on rentre là-dedans? Il y a un truc? Ah oui, voilà. Voilà. Toujours plus de breloques. Je viens de me rendre compte que quand t'es à côté d'une breloque, ça fait du bruit. C'est un genre de bruit chelou, tu vois. Ah, j'entends un bruit, mais je vois pas le breloque. Bon, bah c'est bon. Bah, vas-y, on se casse. Hein. On se barre, on se barre. Hop là, par les tunnels. Il va y avoir tellement de choses à infuser et tout là. J'en ai des frissons d'avance. On leur a fait bien mal. On met des bouts. Ok. Pas mal, hein. Ah oui, on va pouvoir infuser le deuxième... Comment ça s'appelle ? On va pouvoir infuser... Oh, regarde tous ces breloques, il y en a 24. 24 breloques. Oh, le truc de ouf. Ah, c'est 10 000 pour infuser le... Wenji ne veut pas aller à la fête. Comment lui en vouloir ? Dommage, Doc. J'ai une boucle à briser. Elle va devoir y aller. Du coup, là, effectivement, on voit qu'on... Ça, c'est cool, c'est plaisant quand tu vois que tu commences à réunir un peu toutes les pièces du puzzle et que tout commence à s'assembler. Tu vois, là, tu vois qu'Alexis et Egor, ils se retrouvent à la fête. Après, tu vas ramener Wenji à la fête. Ils vont être tous les trois. Ah non, c'est un truc de fou, c'est, je vous jure. Alors allons dans les équipements. On va infuser breloque. Amélioration de module, c'est ça. Voilà. Donc ça fait quoi? Les ennemis projetés par Genesis flottent désespérément dans les airs. Ok. Bon écoute. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les armes, c'est bon. Cumuler des dégâts en touchant plusieurs ennemis à la suite, d'accord. Ça peut être cool aussi ça. Hein. Ça peut être sympa. Hein. Je pense que c'est plus au niveau des breloques là qu'on va se faire un peu plaisir. Alors, les tours et les suppresseurs alliés à côté sont encore plus forts et mortels, régénérer plus de vie totale. Baroud d'honneur. En fait, ce que je me demande, c'est ça. Je peux pas les cumuler. Hein, de toute façon, je peux pas repartir dans les breloques violettes. Vous subissez moins de dégâts lorsque les gens sont tout prêts en chasse. Vous récupérez beaucoup plus de santé lorsque vous infligez des dégâts au corps à corps, d'accord. Le recul est grandement réduit lorsque vous maniez deux armes. Ça peut être pas mal ça. Avec le... Comment ça s'appelle? Avec ça là. Pour... Attends, c'était une breloque d'armes ou de... Ah, c'était une breloque d'armes, ok. Moi je vais remplacer celle-là. Hein. Comme j'utilise celui-là, qui a un double arme, ça peut être pas mal. Après, monter sur ressort, d'accord. Vous récupérez beaucoup de santé lorsque vous avez des dégâts corps à corps. Les tirs ratés vous infligent beaucoup moins de dégâts. Un casque, pour quoi faire? Ok, les chutes vous infligent quasiment pas de dégâts, c'est pas mal ça aussi. Récupérez beaucoup plus de résidium de toutes les sources. Pas mal ça. On va le prendre. Régénérer votre vie plus rapidement, régénérer plus de vie totale. Ouais. Voilà, je commence à. J'aimerais bien en mettre plus, mais. Ouais. Breloque d'armes. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme breloque d'armes? Je suis déjà à fond. On va regarder ce que j'ai équipé. Qu'est-ce que j'ai équipé? Recharge rapide. Des tirs au jugé. Ou une dispersion minimale. Ça peut être cool parce que c'est au jugé finalement quand tu tires.
quand tu tires avec ça là, double arme. Ouais. Attends, hop. Tir au jugé, c'est où? Voilà, ça. C'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a d'équipé en fait? C'est ça surtout. Chargeur rapide. La vitesse de chargement est grandement améliorée, on va l'infuser. J'ai quoi d'autre d'équipé? Ça c'est pas mal, réduit le recul. Infliger des dégâts à un ennemi, ralentit la vitesse à laquelle sa santé peut se régénérer. Bah ouais. On t'a plus de balles, on va le prendre aussi. Ok, donc déjà tout ce que j'ai équipé c'est bon, ça a été infusé. Bon écoute, on va rester comme ça pour l'instant. Là ça veut dire que... on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Ah oui, il faut que j'équipe... Carnésis, c'est celui-là? Où il y a l'amélioration ou pas? Ouais, c'est ça. Suspension, là. Ok, alors après j'utilise pas trop celle-là, mais bon. C'est pas grave, c'est toujours ça de prix. J'utilise beaucoup invisibilité et... après je pourrais faire plus plaisir maintenant. Bon, on verra. Bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain épisode? Je vais regarder un peu les pistes. Là c'est la nuit là. Ouais là c'est la nuit, là c'est le soir. Ok. Donc là bah le soir c'est vite fait, hein. Y a pas 36 000 trucs. Je regarde au niveau des pistes arsenales. J'en ai pas débloqué d'autres. Ah si, si. Ah non, ça c'est bon, je l'ai fait. Ok. Non bah au niveau des... le soir, il n'y a pas... ah, je pourrais aller faire ça. Hein. Arrive le matin, d'accord. Ça, c'est pour la piste Juliana qu'on a débloqué. C'est pas mal. Ça, c'est le... ok, donc il faudra qu'on fasse ça. Ok. Là, je pense que je vais faire ça. Parce que ça, en fait, c'est le soir, mais je l'ai déjà fait. C'est vraiment bizarre, je sais plus c'est dans quel épisode. Le festin des loups là, on tue Alexis, donc normalement cette piste elle aurait dû se débloquer, je sais pas pourquoi ça s'est pas fait. Donc je pense que je vais faire ça, mais je vais pas l'enregistrer parce que je l'ai déjà fait, mais je vais aller retuer Alexis. J'espère que ça va se débloquer, puis je pense dans le prochain épisode du coup on fera le truc du matin là, celui-là. Voilà, ça c'est le matin. Nickel, voilà, bon bah écoutez les amis on s'arrête là, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez, à la prochaine, ciao.